Bonjour. Que de beaux visages. Mon nom est José Laurence, je suis des Musées de la civilisation, qui comprend le Musée de l'Amérique francophone où on se situe en ce moment, et où se situe également le Centre de la francophonie des Amériques. Je vous situe géographiquement parce qu'en fait, on n'est pas seul ici cet après-midi. Si vous voyez derrière, il y a une petite caméra qui retransmet en direct l'activité de cet après-midi sur le net, sur le web. Donc, il y a des gens de la francophonie, des Amériques et peut-être d'ailleurs qui sont avec nous pour profiter de ce qu'on vous propose. J'aimerais saluer la présence de quelques personnes ici cet après-midi, notamment le consul général des États-Unis et le délégué général Wallonie-Bruxelles. Merci d'être avec nous. La présentation d'aujourd'hui vient clore une tournée qui s'est faite au Québec. Donc, on est la sixième destination de la présentation de la Souillonne. Et pour nous, ça s'inscrit en continuité avec une exposition qui est en cours ici au Musée de l'Amérique francophone qui s'intitule « Partir sur la route des francophones ». Alors, je vous invite, ceux et celles qui ne l'ont pas déjà vue, à la parcourir. C'est une signature artistique d'Olivier Dufour. Donc, c'est une présentation qui est assez originale en termes de muséographie. Je souhaite vous rappeler que la pièce sera suivie d'un échange avec l'auteur, M. Normand Beaupré, avec la comédienne Marie Cormier et aussi avec le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, M. Denis Desgagnés. Après cela, vous êtes aussi conviés à demeurer sur place, à vous joindre à nous pour une réception qui est offerte par le Centre de la francophonie des Amériques. Enfin, un petit rappel, on vous a remis à l'entrée un petit carton. Si vous souhaitez participer au tirage de prix de présence, on fait tirer une liseuse et une publication des Musées de la civilisation, objet de référence. Donc, je vous rappelle de bien compléter votre petit coupon et de le remettre dans le sac avant qu'on procède au tirage à la toute fin. Donc, merci de votre attention, puis je vous souhaite un excellent après-midi. Thank you.
Ah, bonjour. J'ai mis mon chapeau aujourd'hui parce que je savais que je devais vous voir. J'étais à prépenser, là. J'ai déjà aimé, moi. Mais j'aimerais plus. Non, jamais de la vie. Ça fait trop mal. Oui, et je vais vous dire juste pour parler, là. Aimer, ça vire les choses à l'envers. Je veux pas dire aimer ses amis, ses enfants, sa parenté, puis tout ça, là, non. Je parle de l'amour pour un homme, s'amouracher, c'est ça que je veux dire. C'est pas la même chose. Quand on aime son père, sa mère, ses frères, puis ses sœurs, il y a du naturel là-dedans. Cet amour-là, ça vient de la famille. On est né avec ça. Ah, c'est comme ça que ça marche, que voulez-vous? On mène pas les choses, vous savez. On pense qu'on les mène, mais bonne Saint-Anne, on se fait virer les pieds souvent. Moi, je peux pas m'amouracher des autres, les gars qui virent puis qui virent autour de nous autres, les créatures. Ouais. Je vais leur dire que nous autres, les femmes, on n'a pas été créées juste pour leur vouloir. On peut bien être les créatures du bon Dieu, mais viande la ménard, on n'appartient pas aux hommes. Ils créent qu'on leur appartient parce qu'ils se créent plus haut que nous autres. Haut comme des piquets de clôture qu'accroche le califourchon. Ça rôde autour de nous autres, puis ça fait la haute gueule juste pour nous mettre à terre. Puis ça veut toujours de l'attention, les gars. On n'est pas des torchons pour les torcher tout le temps. C'est assez que ma mère s'attendait de nous autres, les filles, de prendre bien soin des gars. De passer leur maudite chemise blanche en pesée, puis presser leur culotte, puis frotter leur bas avant de les laver. Ah! Ma mère, puis ces gars. Les gars! Les travaillants, les gangs en gage, fallait les mettre sur leur 36, puis c'était à nous autres, aux filles, de prendre soin. Comme si nous autres, les filles, on travaillait pas. C'était tout un travail, la maison puis la grange. Faut laisser lever ben de bonne heure le matin pour prendre soin des cochons, puis cleaner la grange, puis ramasser les œufs, puis aller mettre la marde de vache sur le gros tas dehors, puis tout ça. Le soir, faut les tirer les vaches puis séparer le lait. Puis ça, c'est à part de prendre soin de la terre. L'été, on avait des grands jardins à perte de vue. On se mettait à quatre pattes là-dedans pour arracher le chien dedans puis les arbres sauvages. Oh! On venait le dos sans connaissance. J'ai vu mon père puis ma mère s'arracher à vie sur la terre. Mon doux qui travaillait dur. Ça, c'était dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, quand les gars allaient voir les filles le samedi soir. Le samedi soir, c'était le temps d'une petite veillée. On n'avait pas le temps durant la semaine de se dorloter puis se préparer pour les cavaliers. Après l'ouvrage de chaque jour, on était rendu au bout et tempé raide. Mais le samedi soir, c'était le temps de gigoter un petit peu. J'en ai vu des cavaliers, mon doux. Des cavaliers, la face luisante à force de la frotter avec du gros savon jaune. D'autres, la face rouge comme une bête parce qu'ils étaient gênés. D'autres qui faisaient la baboune parce qu'on les laissait pas faire à leur goût. Ils voulaient tout le temps gagner, hein? Il y en avait des pas pires, bien sûr, mais c'était clair, sumé. Moi, j'en voulais pas de ces gars à minoucher. Dans le bon vieux temps, comme le monde appelait ça. Ben moi, j'en veux plus du bon vieux temps. Il n'était pas si bon que ça. S'user au coton en travaillant du matin jusqu'au soir. Se ramasser dans la misère noire. Passer sa vie espérer d'avoir un peu mieux. Non, moi, j'en veux plus. Les années passées sont passées une fois pour toutes. J'en veux plus du bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, comme aujourd'hui, il y avait des toxons comme Péton Lantagne. Le monde l'appelait comme ça, Péton. Il était gros, gros comme un corps. Un vrai boxeur aussi, tout le temps prêt à se battre. Tu avais juste à y dire deux mots, puis le voilà parti. Il prenait tout à pied viré, tout de travers.
Mon Dieu, je me souviens quand il se prenait avec mon père. Mais il n'osait pas y toucher, bien sûr, parce qu'il savait bien trop que mon père pouvait les tamper d'une minute puis l'apostropher de l'autre. Il te faut comme un bœuf, mon père. Mais le beau péton trouvait une autre manière de se venger. Il partait de chez nous la face rouge comme un tison puis trouvait quelqu'un d'autre sur qui il pouvait prendre le dessus. Puis là, il donnait une bonne volée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y en a tout le temps eu des toxons comme pétons. Moi, je peux pas les sentir. C'est que toute ma vie, j'ai eu à me défaire des toxons. Quand je travaillais au moulin, il y en avait en masse. Il y avait le beau Tigus de la liberté, là, qui voulait tout le temps se prendre avec quelqu'un, même les femmes. Oh mon Dieu, une natif fait brailler. Pas moi. Je suis pas si brailleuse que ça, j'ai la peau dure. Mais je me souviens de Clarette Grand-Maison, à sa don, pognée souvent avec Tigus. Il la faisait enrager à tout coup, même si elle se disait qu'il ne gagnerait pas. C'était plus fort d'elle, elle ne pouvait pas s'en défaire. Il y avait le tour de l'accrocher, puis la faire enrager. Je me souviens une fois, il l'avait accroché au sujet de son chapeau du dimanche. Oh! Il était beau, son chapeau, un beau feu de bleu avec une vraie plume d'autriche. Ça y faisait bien. Tu pouvais dire qu'elle sentait swell comme une demoiselle bien tournée, là. Elle était à mode, Clarette. Comme MT, c'était pas la beauté du monde. Elle avait des belles qualités. Bonne couturière, bonne cuisinière, bonne parlante. Un petit peu trop bonasse pour moi, mais c'est une bonne personne. En tout cas, un lundi matin, Tigus Lacoste, puis il commence à y parler de son chapeau du dimanche, qui était donc beau, puis il faisait donc bien. Bien sûr, Clarette souriait d'une oreille à l'autre, de voir que Tigus y parlait d'une manière si aimable, imaginez. Mais là vient le virevent. Il commence à rire, puis à rire aux éclats. Là, tout le monde savait qu'il se moquait d'elle. Puis c'est pas tout. Il se met à se fanfaronner puis à déchirer son chapeau avec toutes sortes de ridicules qui étaient laites, couleur de vomissure, avec une plume en cul de poule. Puis il arrête plus. Il dit « T'essaies de péter plus haut que le trou. » Il dit « T'as l'air d'une putain manquée avec ton maudit chapeau de Star Edison. » Là, Clarette se dresse, puis elle dit « Toi, Tigus, mon maudit fantasme, c'est rien de bon à faire enrager les autres, espèce de sans-cœur. T'es un homme manqué, t'as une langue de cochon, puis t'es un homme mal élevé. Je sais même pas d'où tu viens, toi, pas d'une femme sapin, parce qu'une femme t'aura jamais enduré pour le mois. T'as dû sortir d'une chienne, enfant de chienne. » Elle dit ça comme ça, sans lever le ton, tout d'un trait, avec une voix un petit peu tremblante. « Mais femme, oh, j'aurais jamais cru qu'elle pouvait y répondre de même. » Elle ne s'est pas fâchée, elle n'a pas perdu les nerfs, elle n'a même pas braillé. Mais le traité d'enfant de chienne, ça, c'était pas Clarette. Clarette venait d'une famille raffinée où il ne faut le pas dire aucun sac, pas même maudit. Quand on se mettait en colère, toutes les paroles qui sortaient de la bouche devaient être bien mesurées, comme « mot t'a dit »,« mange le bélonné »,« Moses », mesurées par la peur d'être grossier. Mais il faut croire qu'il était le temps pour Clarette de se décharger le cœur. Une femme peut en prendre tant des hommes. T'as beau avaler puis endurer, il vient un temps que t'en peux plus, ça pogne dans la gorge. Se décharger le cœur, ça nettoie la cervelle. Fini d'endurer sans rien dire les cochonneries que les autres nous garochent. Fini de pleurer comme une madeleine. Fini les maudites écœurentries des hommes. Bande de lâches, ça peut même pas se prendre soin tout seul. Ça prend les mains fortes d'une femme pour lire nipper, pour pas qu'ils passent pour des sans-dessins. Pas que j'ai jamais aimé un homme. Je suis faite comme les autres, moi et tout. Ah oui, je l'ai rencontré il y a bien des années passées, mon Willy. Lui, il n'était pas comme les autres. Un homme qui fait une femme se sentir belle, ça, c'est un homme. Je veux dire belle comme une fleur qui s'ouvre à la chaleur du soleil. Pour moi, l'amour, c'est comme ça. C'est comme un soleil plein de chaleur qui te rentre jusqu'à la racine des cheveux.
Je sais pas comment dire ça, moi, les mots qui décrivent l'amour, mais je sais comment ça file. Ouais. Je l'ai rencontré il y a bien des années, l'homme de ma vie. Une soirée suée du mât sur la côte, en plein cœur d'hiver, un samedi soir. Je l'ai vu du coin de l'œil quand il est rentré par la porte du salon, un peu gêné, un peu gauche dans sa manière de se présenter, mais rougeau, les paroles douces puis les manières polies. Ah, oh, il était beau, hein? Il était grand, il avait des beaux cheveux noirs frisés, puis la peau qui luisait de netteté. Ah, oh, je l'ai trouvé de mon goût de suite. Il s'appelait William. Puis comme ma cousine Laurette me l'a présenté, j'ai marqué que ses ongles étaient tous bien propres. Ah, il m'a frappé comme une étoile. Ben, je dis ça comme ça, j'ai jamais été frappé comme par une étoile. On dit ça quand quelque chose nous frappe. C'est drôle comment ça s'est passé. On dirait que le dent de ma poitrine voulait exploser. Ah, oh, quand Willy m'a donné la main, je m'ai sentie toute molle. Oh, grande folle, je me suis dit, moi qui n'étais pas habituée de me sentir comme ça. Je m'avais tout le temps dit que jamais je tomberais en amour. Ça, c'était pour les autres. Pourquoi pas de la tête pour un homme? Oh, mais je veux vous dire qu'on peut tomber en amour vite sans s'en apercevoir. Willy était, comment est-ce que je vous dirais ça, spécial. C'est peut-être pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autre. Il n'y avait pas d'histoire pour lui. Tout était vrai. Il n'y a pas d'amouracherie. Il disait ce qu'il filait. Oh, je crois que j'ai commencé à penser avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête, avec lui. Oh, j'étais fière de mon Willy. Oui, j'ai commencé à l'appeler comme ça, mon Willy, après 4 ou 5 fréquentations. Monsieur le curé appelait ça comme ça, des fréquentations. Mais il n'aimait pas trop ça, les fréquentations, le curé. Mais comment voulez-vous que les jeunes se rencontrent s'ils ne se fréquentent pas? Oh, je vous dis, mon Willy, il était gentil. Il a même appris à danser juste pour me faire plaisir. Il avait les deux pieds gauches, puis il s'enfargeait partout. Mais je l'ai pris tendrement. Il montrait comment se mettre les pieds tout en s'accordant avec la musique. Je l'ai pris doucement, sans perdre les nerfs. On ne montre pas quelque chose à quelqu'un si on les bougonne. Puis à la fin, ben, il a appris à danser, puis pas mal non plus. Puis moi aussi, j'aimais ça y faire plaisir. J'ai commencé à lire des livres d'histoire pour pouvoir parler avec lui. Je n'aimais pas trop ça au commencement, lire dans des livres, mais je m'habituais juste pour lui. Je crois que Willy m'aurait demandé en mariage s'il n'avait pas eu sa grosse accident. Même aujourd'hui, j'ai de la misère d'en parler. Il travaillait dans une shop autour des gros balleurs d'acide bouillante pour nettoyer la rouille sur les morceaux de fer. Des gros morceaux de fer qu'il portait sur son dos, pareil comme une grosse tortue. Ah, il travaillait dur en tonneau, mon Willy. La sueur dans les yeux puis sur la peau. Une chaleur pour faire fondre des globes de lumière, qu'il disait. Puis quand il y a eu sa grosse accident, ben les gars m'ont dit qu'il avait été brûlé en vie. Un squelette d'homme, c'est tout ce qui restait de lui. Pauvre Willy. Pauvre lui, il se fait brûler en vie comme ça. Bien sûr. Sa tombe était fermée. Hein? L'ai-tu pleuré, mon Willy? Pleuré en dedans après l'avoir pleuré avec des larmes. Puis je me suis dit que jamais, jamais, j'en aimerais un autre. Je n'ai plus jamais aimé non plus. Bon, ben, pour changer de discours, je vais vous parler de la boisson. Vous savez que la boisson fait partie de notre culture à nous autres, les Canadiens. Non, je parle pas de la culture avec un grand C, là, comme la mode, puis les belles maisons, puis la vaisselle qui matchent toutes, là. Non, je parle de la culture pour le petit monde comme nous autres.
Pas que le monde de la haute culture buvait pas, mais il faisait avec le nez en l'air. Nous autres, on buvait avec notre monde. Là, je parle surtout des hommes, parce que la plupart des femmes avaient horreur de la maudite boisson. Les femmes appartenaient au sac Jeanne d'Arc. Puis ils voulaient donc que leur mari appartienne au sac la Côte d'Air, puis qu'ils portent le bouton bleu. Moi, j'aimais pas tenir avec ce monde-là pour la simple raison que la plupart des autres, c'était des hypocrites. Puis ça me pionnait les hypocrites. Il y en a qui voulaient convertir les autres, puis qui portaient le bouton bleu, puis qui buvaient en cachette. Pensez-vous, vous autres, que le Seigneur n'a pas bu dans sa vie sur la terre? Aux noces de Cana, là, quand il a changé l'eau en vin, tout le monde a bu, même la Sainte Vierge. Prenez les apôtres, ils ont tous bu du vin au dernier souper. Les évangiles ne s'en cachent pas. Je ne suis pas une grande catholique comme il y en a. Puis j'ai pas été à l'école bien longtemps, mais je suis déniaisée assez pour savoir des choses. Il y en a qui disent que je suis une catholique à gros grains. Ben j'aime mieux l'être à gros grains qu'à petites graines, puis devenir scrupuleuse puis mangeuse de balustres. Bon, pour en venir à la boisson, il y avait le caribou. C'est un mélange de vin et d'alcool. Il y avait la bière ferrée. C'était une bière dans laquelle on faisait tremper un petit tison pour donner un petit coup de fouette. Il y avait le petit blanc fait à la maison. Oh, ça donnait un coup dans les jambes et l'estomac. Il y en avait d'autres, mais je ne les connais pas toutes parce que je ne suis pas une soulagne. Mais j'en ai connu qui viraient des tanantes de brosse, toujours en devant. Ils ne pouvaient quasiment pas se grouiller la carcasse tellement ils étaient sous. 6 jours par semaine. Oh, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils pouvaient faire leur travail avec une tête comme ça. Mais ils s'arrangeaient pour faire leur job. Mais ils puaient la tonne, bien sûr. Pas lavé, pas décroté pour des semaines de temps. Oh, les pauvres hommes, pauvres créatures du bon Dieu qui devenaient les esclaves de la boisson. Les esclaves du diable. Oh, la maudite boisson. On avait des noms pour ce monde-là. La buverie, la soûlerie, sous comme un pote, fripée comme une vieille feuille de chou, gommée, plotée. Ça tue du bon sang. Mon père, c'était Soulon. Oh, y a-t-il fait partir ma mère avec ça? Combien de fois qu'elle l'a trouvée dans la rue à moitié sous puis qu'elle l'a traînée toute seule à la maison? Elle était forte, ma mère. Mais pauvre elle, une fois rentrée à la maison, mon père continuait à boire jusqu'à temps qu'il venait les yeux cirés comme un miroir. Pauvrement. Elle disait qu'elle aimait mieux de loin boire dans la maison que dehors. Elle s'occupait plus que ce que le monde disait parce que tout le monde le connaissait, mon père. Puis, la plupart d'eux autres avaient arrêté de passer des commentaires à cause de ma mère, parce qu'ils avaient pitié d'elle. Puis à cause des enfants, je pense aussi, parce que moi, j'étais jeune, puis ça me faisait assez mal au cœur. Même aujourd'hui, les larmes sont proches. Timabe, qui s'appelait mon père. Son vrai nom, c'était Aimable Hormidas Sans Souci. Tu parles d'un nom pour coucher dehors. Ma mère, c'était Ernestine, mais mon père l'appelait Crépisse. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'était un terme d'affection. Je l'aimais bien, mon père, il était doux. Pas trop de jasette, mais doux comme un agneau. Il faut croire que ma mère avait vu quelque chose de bon dans mon père quand elle l'avait marié. Mais c'est vrai qu'elle avait dit à sa chum, Mabel, qu'elle savait qu'il buvait un petit peu trop son timarbe. Mais qu'elle la changerait une fois mariée. Ouais. Les femmes disaient ça, ils croyaient que le mariage changerait les affaires de même. Non, quand on a ça dans le sang comme mon père, il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer. Oh, il y a tout le temps des promesses d'ivrogne, des promesses passées comme des sas. Mais il n'y a pas grand-chose à y faire. Et je vais vous admettre qu'avec la vie, puis les misères dans la vie, puis les années. J'ai appris à prendre mon petit coup, moi et tout. Ah, ça me soulage. Ça me soulage quand le monde m'appelle la souillonne. Ouais, la souillonne.
Parce qu'avec les années, j'ai commencé à me négliger. J'ai plus le goût de rien. J'ai engraissé, comme vous voyez, j'ai le derrière large, j'ai le ventre sorti. J'ai les jokes qui me pendent jusqu'à la bédaine. J'ai l'air d'une souillonne. Il y en a qui croient que je me lave pas, mais c'est mauditement faux, ça. J'ai tout le temps pris bien soin de me laver. C'est que je porte mes bas roulés, puis je me fais plus friser. Mais je m'en fous bien. Pourvu que Médée me laisse pas pour un autre. Pauvre Médée. Il me bade pas, puis je le laisse tranquille. Il y en a qui croient qu'on est à côté, moi, puis m'aider, mais pas de ça danger. J'aime toujours bien trop mon Willy pour en prendre un autre. C'est juste que moi, puis m'aider, on reste ensemble juste pour se tenir compagnie. M'aider aime ça, lui, tout prendre un petit coup. Pas qu'il saoule, non. Il prend un petit coup par jour, puis il fait durer ça longtemps. Une bouteille de Ballantine Ale par jour. Il y en a qui craignent qu'on boit la journée, ben, qui craignent ce qu'ils veulent. Je m'en maudis bien. Ça me fait rien pour toi. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est les patarafes que les enfants me garochent dans la cour d'en arrière. La souillonne n'a pas de culotte, elle se cache comme une vieille pelote, elle est palote comme une grosse toche, parce qu'elle a de quoi? Elle a caboche, nia, nia, nia. Je sais que j'ai l'air d'une toche, mais j'ai rien à la caboche. J'ai la tête claire, puis je n'ai pas de nochonne pantoute. Mais ça me fait de la peine de voir que les enfants se moquent de moi sans me connaître. Ben, ils entendent parler de moi par les grandes personnes, là, les langues de fer qui me déchirent sans savoir le mal qu'ils me faisent. Ça arrivait plusieurs années à cause de M. le curé, ça, ces mauvaises langues-là. Bien des années passées, j'étais à la grande messe du dimanche, puis je m'avais toute bien lavée, excusez, puis j'avais mis ma belle robe jaune, puis mon chapeau avec la robe rouge, la fleur rouge, puis le ruban viné. Oh, je me trouvais belle, hein? Puis ce dimanche-là, le curé a commencé à parler au sujet de ceux qui font le scandale dans la paroisse, comme ceux qui fréquentent les beer joints, puis qui font la débauche, surtout pour les enfants. Il se démenait le feu dans les yeux, il se faisait aller les bras en l'air, puis tout d'un coup, il se met à me déviager, droit dans la face. Il ne me pointait pas du doigt, mais c'était tout. Oh, j'ai venu assez mal à l'aise, je ne savais plus où me planter. Puis là, le monde a commencé à venir gêner pour moi, il a commencé à tousser, puis il me gardait de travers. Pourtant, je n'avais rien fait pour mériter sa rage, monsieur le curé. Oh, j'aurais pu me rentrer dans un trou de souris tellement je me sentais laide, puis il n'arrêtait plus. Et tout d'un coup, je ne sais pas quoi ce qui m'a pris, je m'ai levée, j'ai gardé le curé dans les yeux. J'ai passé par-dessus les jambes du monde dans mon banc, puis j'ai foutu le camp. Puis j'ai passé par la grande porte d'en avant et tout, parce que je voulais pas que personne pensait que j'avais honte. Parce que j'avais pas honte, pas en tout. J'avais pas mal, je fais mal à personne. C'est pas moi qui avais scandalisé les autres, c'est monsieur le curé qui m'avait scandalisé. C'est drôle comment est-ce que les curés agissent des fois, hein? Pas comme des prêtres, comme des démons. Faut croire que le curé n'avait pas lu comme il faut son évangile. Moi, je ne connais pas grand-chose dans les évangiles, mais j'en connais assez pour savoir que le Christ nous dit de ne pas critiquer les autres sans les connaître. Ça, je sais ça. Je n'ai jamais remis les pieds à l'église après ça. Pourquoi le faire? Pour me faire dire que je scandalise les autres, surtout les enfants? Oh non, j'aime les enfants, moi. Jamais je les ferai du mal. Non, je ne suis pas faite comme ça. Je suis qui je suis. Bon, mais je vais vous dire qui je suis. J'ai parlé des autres, mais je n'ai pas parlé de moi. Je vais vous dire qui je suis vraiment. Et c'est parce que j'ai une tête sur les épaules, vous saurez, puis j'ai des sentiments, moi et tout. Je suis Mabel sans souci. Ma mère m'a fait appeler comme ça après sa chum, Mabel Sarrazin. J'ai grandi avec ça. Pas que j'aimais pas mon nom, mais il y en a quand on était jeunes, surtout les gars, qui se plaisaient à dire « Maybe pretty, maybe belle, grassy, maybe belle. » Bande de niaiseux.
Je m'occupais pas d'eux autres. Je disais, mangez de la bellonnée, bande de morveux. Aujourd'hui, je leur dirais de manger de la marde. Tant qu'à la souillonne, ça vient du voisinage où je reste. Ça fait 59 ans que je reste dans le même voisinage, dans la même paroisse, sur la même rue. J'ai venu au monde au Canada, mais on a mouvé aux États quand j'avais 10 ans. On est obligé de mouver parce que ça ne marche plus sur les terres. Le monde crevait dans nos cantons. Oh, mon grand-père a donc broyé quand on s'est en allé. Au commencement, on a trouvé un appartement au deuxième en face du moulin. Puis avec les années, ben, et mon père et ma mère ont réussi à s'acheter une maison. Ils sont arrachés le cœur pour acheter leur chère maison. Puis quand mon père est mort, ben, faut le dire, il est mort sous l'ombre. J'ai resté avec ma mère, j'ai travaillé au moulin pour la supporter. Elle n'avait pas d'argent, ma pauvre mère, après qu'elle avait enterré mon père, ça y avait coûté les yeux de la tête. Pas d'assurance, mon père ne croyait pas là-dedans. Puis elle voulait y donner un enterrement qui avait du bon sens, parce qu'elle l'aimait, mon père, malgré sa saoulerie. Puis elle ne voulait pas que le monde disait qu'elle avait négligé son mari. Elle disait, ils ne diront pas que je l'ai laissé partir à pied. Mais elle me l'a dit, ben des fois, ils ne diront pas que je l'ai laissé partir à pied. Pauvre papa. Il n'est pas parti à pied, c'est sûr. Il est parti en grosse carrosse noire. Ah, j'accepte les choses comme ça vient dans la vie. Des fois, ça vient pas mal dru, pas trop comme je voudrais, mais on ne vire pas les choses de bord, vous savez. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça que ça reste. On peut se fâcher, puis se révolter, puis rouspéter, mais ça ne change pas grand-chose. Quand on est né pour un petit pain, on va rester comme ça, no matter what, comme dit Mme Atkinson. Une bien bonne femme, là, Atkinson. Il y en a qui ne l'aiment pas parce que c'est une Américaine, mais moi, je l'aime. On se démêle ensemble, moquer anglais, moquer français. Il y en a qui disent, si on continue à parler anglais, la langue, on va finir par notre français. Mais que voulez-vous? On reste dans un pays en dehors du Canada, puis tout le monde parle anglais. Le monde de notre âge parle encore français, mais c'est vrai que de plus en plus les jeunes parlent de plus en plus anglais. Mais moi, je dis qu'on parle seulement notre français si on veut le parler. Il n'y a personne qui va venir nous l'arracher. C'est comme ça que je pense. Je suis faite comme ça. Je suis faite de guenilles parce que j'ai des années de guenilles dans le sang. Guenille à frotter, guenille à porter, guenille à tresser des tapis. Guenille dans le cœur parce qu'on l'a déchiré si souvent. Je suis faite de savon jaune parce que je ne suis pas la souillonne que le monde pense. J'aime être propre. Avec du savon, on peut laver puis frotter. Avec du savon dans l'âme, on peut nettoyer le cœur. Puis je suis faite de pain chaud. Parce que j'en ai donc fait du pain dans ma vie. 3 cuites par semaine, comme ma mère m'a montré. Je suis faite de bonnes soupes chaudes, de la soupe aux pois, de la soupe aux choux, de la soupe au riz avec du jus de tomate, de la soupe au bouillon de poulet. C'est donc bon, de la soupe. Ça réchauffe le canaillet. Les hivers sont longs par chez nous, puis il fait des frettes noires, surtout après les fêtes. À vieillir, on a besoin de quelque chose de chaud pour se dégourdir puis s'empêcher de penser qu'on devient de plus en plus seul dans la vie. Je m'ennuie l'hiver. Puis je suis faite de coton, pas de soie ni de dentelle. Ma personne est tissée de gros brins forts, fort assez pour tenir le coup. Je ne déchire pas. Je suis comme le gros coton du moulin. Puis je suis faite de rêves. Pas des jongleries puis des affaires pour faire tourner la tête, non. Des rêves d'avoir un peu moins de peine puis un peu plus d'amour. Des rêves d'être belle aux yeux de ceux qui me trouvent laide parce qu'ils savent pas qu'en dedans, moi, je suis belle. Oui, il savait, lui. Puis je suis faite d'enfants. Des rires, des becs, des beaux yeux clairs des enfants.
des enfants que j'ai jamais eus et que j'aurai jamais. Et je sais qu'ils me donnent du fil à tordre des fois. Ils font pas ça pour mal faire, mais ça fait mal au cœur pareil. Je me souviens une fois qu'il y avait un petit gars qui était venu m'apporter des fleurs des champs jusqu'à ma porte. Puis c'est Médée qui avait été ouvrir, puis il m'avait dit de venir voir. Je l'avais entendu parler, le petit, il n'avait pas plus qu'une dizaine d'années. Il n'avait pas demandé pour voir la souillonne. Il avait demandé pour voir Madame Mabel. Oh, ça, ça m'avait fait chaud au cœur. Il était gêné, le petit, il gardait par terre. Puis pour une minute, il a levé les yeux, puis j'ai vu ses beaux yeux bruns, pareils comme ceux de mon Willy. Ah! Je l'ai aimé tout de suite, le petit bonhomme des fleurs des champs. Tu fais comme ça, que voulez-vous? Faut que je vous dise quelque chose. Après que j'ai arrêté d'aller à l'église à cause de M. le curé qui m'avait fait honte, là, j'ai commencé à lire la Bible à tous les dimanches. Bien, c'est que je ne voulais pas me sentir que j'étais protestante ou une femme sans bon Dieu, parce que vous saurez que je continuais à prier, parce que je savais que le bon Dieu comprendrait. Il comprend bien mieux que les prêtres. On n'a pas besoin d'être dans une église pour prier le bon Dieu. Il n'a qu'on dit que c'était défendu de lire la Bible. Mais ça ne se voyait pas les Bibles dans les maisons, seulement à l'église quand le prêtre lisait les évangiles, puis lui, il pouvait le faire. C'était un homme consacré par l'évêque, il avait jusqu'au doigt consacré. Ça fait que du petit monde comme nous autres, on n'avait pas le droit d'y toucher, même si j'ai envie d'y tordre le cou des fois. Ça fait que, après la gribouille avec le curé, là, je me suis acheté une Bible au Star à 10 cents. Elle est en anglais, ma Bible, mais je comprends assez l'anglais pour me débrouiller. Puis je me dis que si le bon Dieu ne veut pas que je lise la Bible, ben il va s'arranger pour m'arrêter. Vous voyez, un éclair pour me faire de la tête, je ne sais pas, mais ça n'est pas encore arrivé. Ça fait que je lis la Bible tous les dimanches, comme Médée d'or. J'aime ça lire les histoires que Christ contait aux apôtres. Il était bon raconteur, hein? Un peu comme le père des Chambaud, là. Ça, c'était tout un raconteur. Il en racontait des histoires, pas des belles histoires, là, pas des histoires niaiseuses ou cochonnes, là. Puis Jésus, lui, il contait ses histoires aux apôtres. Puis je vais vous dire quelque chose, ces apôtres-là, là, c'était pas toutes des étoiles. C'est pas eux autres qui ont mis les springs aux sauterelles. Vous prenez Saint-Pierre, là, je ne veux pas rire de lui, là, mais des fois, je le trouve gnochon. Je trouve qu'il a la caboche dure. De toutes les histoires que Christ raconte, celle que j'aime le plus, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Au commencement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, prodigue, puis j'ai demandé à la vieille fille, Héloïse Pinard, elle a fait la classe toute sa vie, puis elle a dit que ça veut dire un gars qui s'en va de chez eux puis qui dépense toute sa fortune. Dans l'histoire, il y a un père, il n'y a pas de mère, puis il y a deux gars. Puis le plus jeune dit à son père, « Donne-moi ma part. » Puis son père, il donne sa part, puis le gars s'en va loin, loin, loin. Puis après qu'il a tout dépensé son argent, il y a une famine dans le pays, puis tout le monde crève de faim. Puis notre gars, il est rendu assez au bout qu'il pense qu'il se trouve même une job à soigner des cochons. Il est rendu assez au bout qu'il pense même de manger de la soupe de cochon. Ça, c'est avoir faim. Il se dit, moi, je me crève de faim. Puis chez nous, les travailleurs mangent du pain tous les jours. Ça fait qu'ils décident de retourner chez eux. Il se dit, au moins, là, j'aurai pas la faim qui me dévore. C'est terrible, une faim comme ça. Ça défonce l'estomac. Puis il a dû avoir honte, le gars. Mais il faut croire que sa faim était plus forte que sa honte. Ça fait qu'il se met à marcher des mois, puis des mois, puis des mois, jusqu'à temps qu'il se ramasse à terre chez eux. Puis il pensait que son père allait le chicaner, bien sûr, mais non! Son père le reçoit à bras ouverts, puis il dit à ses servants, il faut croire qu'il était riche pour avoir des servants, hein? Il dit à ses servants, apportez-y une robe! Puis il apporte une robe au petit gars, puis il met des bagues à ses doigts. Bien, dans ce temps-là, là, les hommes ne portaient pas de culottes, ils portaient des robes. Saint-Joseph puis Jésus n'ont jamais porté de culottes, ils ont porté des robes. C'était pas des robes de femmes, là, c'était des robes d'hommes, plutôt comme des bathrobes, je pense.
Puis là, le père a fait tuer un veau le plus gros. Ça, c'est bon de la viande de veau, hein, surtout du veau de lait. Puis tout le monde était en fête, excepté le frère de l'enfant prodigue. Et je ne sais pas les noms de ces gars-là parce que l'histoire ne le dit pas. Le frère de l'enfant prodigue est en beau maudit contre son père. Pour la simple raison que lui qui avait travaillé sur la terre comme un esclave toute sa vie puis qui n'avait jamais sorti de là, lui, il n'avait jamais eu de fête. Mais quand je pense à ça, par exemple, c'est comme pas fair. Mais le père ne pouvait pas faire autrement. Il était assez content d'avoir back son gars. Il voulait célébrer ça. Il pouvait... C'est pas qu'il n'aimait pas le plus vieux, mais il avait le cœur rempli de joie de retrouver son gars perdu, hein? Je crois que le plus vieux a dû finir par comprendre ça. Vois-tu, dans la vie, des fois, il faut pardonner. Des fois, ça paraît pas juste, mais il ne faut pas s'en venger. Il faut pardonner. Je crois que c'est ça que l'histoire voulait nous dire. Pardonner, c'est bien beau, là. Mais ça paraît que la Bible ne connaissait pas les Anglais. Ça, c'était une gang de toxons. Et je vous dis, ça serait malaisé pour les Acadiens de pardonner aux Anglais le coup de cochon qu'ils ont fait. Ah, les pauvres Acadiens. On a juste à lire leur histoire pour voir la misère qu'ils ont eue. Ah, pauvres autres. Voyez-vous, c'était les premiers qui sont venus de la France au Canada. Puis ils sont établis dans un pays qu'ils appelaient l'Acadie. Puis ils sont mis à farmer la terre, puis à vivre ensemble, dans la paix, pas de chicane. Mais en 1755, les Anglais sont venus, puis ils ont écarté les Acadiens à la grandeur des États. Mais ce n'était pas les États-Unis ce temps-là, là, ça a venu ça plus tard. Oui, ils ont voulu effacer la présence des Anglais, comme s'ils avaient des Acadiens, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils ont fait brûler toutes leurs femmes, puis les ont mis sur des bateaux, puis les ont envoyés à la dérive, éparpillés comme des graines de pissenlit. Le grand dérangement, les Acadiens appellent ça. Ah, je vous dis, c'était la misère noire. Mais je vais vous dire que les Acadiens ont le cran fort puis les bras durs. Puis ils se sont dit qu'ils ne casseraient pas puis qu'ils reviendraient dans leur pays. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Petit à petit, ils sont venus dans l'unique. Lamèque, Caraquet, Bouctouche, Grandigue, Grand Pré. Ça a bien fini, en fin de compte. Puis les Acadiens, je vous dis, ils n'ont pas peur de parler leur langage puis de chanter leurs chansons. Ils ont « ouais, les Anglais chier ». Puis croyez-le ou croyez-le pas, un de ces jours, le roi d'Angleterre va s'excuser de cette affaire-là, le grand dérangement. Ça va lui tomber sur le nez, watch it back. Des saprés sans la marde. Mais, excusez-moi, je ne suis pas habituée de parler de même. Ça me forge quand je vois du monde prendre avantage des autres comme ça. J'ai pas envie de leur pardonner, je ne sais pas quoi c'est que la Bible dit. C'est comme notre parlement, là. Et il y en a qui disent que c'est pas une vraie langue. Allez donc pardonner ça. Voyez-vous, notre parlement, on a porté ça du Canada, quoi, qu'on est venu du Canada. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre bagage. Monsieur Desautels me faisait marquer ça l'autre jour. Et il dit, par contre, les Français de France parlent le bon français. Je dis, comment ça? On parle le mauvais français, nous autres? Ben, il dit, notre parlement, c'est un parlement assez particulier. C'est une langue mêlée de joie, puis d'anglais, puis de phrases inventées, puis d'expressions empruntées. Il dit, c'est un français. Mais c'est un français qui n'est pas toujours bien. Bien. J'ai dit, monsieur Desautels, du français, c'est du français. Voyez-vous, c'est que quand on a déménagé aux États, on a ajouté de nouveaux termes à notre parlement. Des termes comme driveway, puis truck, puis sink. Faut croire qu'on avait oublié les mots canadiens pour ça. Mais ça fait rien, c'est notre parlement en nous autres, puis j'en suis fière. Puis on se défriche ensemble, puis on se comprend. Puis les Canadiens qui ont resté au Canada nous comprennent. Vous m'avez compris, non? Là, c'est ça. Puis si les je vous gage que si un Français de France venait chez nous, il nous comprendrait eux autres aussi.
Les Français de France en poignot chambre, tout. Bon, ben, je crois que c'est le temps pour la souillonne de se la fermer. Je suis donc bien fière de vous avoir rencontré comme ça face à face, puis de m'avoir débourré le cœur à vous autres. On dirait que vous êtes comme de la parenté à cette heure. Puis savez-vous, à cette heure que je vous connais un petit peu mieux, on dirait que je me sens belle en dehors et tout. Ça me donne envie d'aller me faire friser. Voyez-vous ça, la souillonne frisée, hein? Quelle amanchure! Ah, faut que je vous admette, par exemple, que je commence à sentir mes petits bobos, ceux qui viennent avec l'âge. Mes rhumatismes me battent, j'ai mal aux pieds. J'ai dû prendre ça au moulin quand je travaillais debout toute la journée. Je suis forte, mais je suis pas faite de fer. Je vais vous dire, la souillonne, c'est pas une salope, puis je suis pas une sans-cœur. Ah, je suis un petit peu palote, puis je me cache parce que le monde me garde de travers quand je suis dehors. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit que j'étais marginalisée. J'ai dit, quoi, ce que tu dis là? Ben, il dit, t'es un peu à côté de la traque, t'es pas comme les autres. Tu vis dans la marge. Je savais pas que je vivais dans la marge. Ça doit être une place défendue. Je m'en fous bien de la marge. Je vis où je vis, dans ma place à moi, ça m'appartient, puis personne va me dire où je dois rester. Ils peuvent m'appeler ce qu'ils veulent, mais moi, je suis qui je suis, puis j'en suis fière. Mais c'est malaisé de faire comprendre ça aux autres. Mais dès le sait, lui, Willy, il savait. Le petit bonhomme qui est venu m'apporter des fleurs des champs, lui, il savait. Je suis la souillonne, puis je changerai jamais. Je suis comme les années qui durent, puis qui durent. Ah, oh, c'est vrai que j'ai mal dans le dos. Ben, demain, j'irai voir le docteur. À la voyure. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Denis Desgagnés, je suis le président directeur général du Centre de la Francophonie des Amériques. Ça fait plaisir d'être ici avec une salle aussi pleine. Merci d'être là, ça fait énormément plaisir de vous voir. Je vais vous prêter la parole donc pour rencontrer la comédienne, poser des questions, donner des commentaires. Et j'ai donc je vais demander à mes belles de venir avec nous, revenir avec nous. Marie Cormier. Merci. Merci. Bravo, Marie. Ça fait six régions, mais c'est combien? Huitième spectacle qu'elle fait. Je commence à la connaître par cœur, mais surtout, je commence à développer de l'amitié vraiment sincère avec nos amis franco-américains. Et il y a l'auteur. On a la chance d'avoir avec nous l'auteur de la pièce, M. Normand Beaupré, qui s'en vient avec nous. Bravo, Normand, encore une fois. Donc, peut-être avant de vous laisser la parole, je vais demander à M. Beaupré de nous parler un petit peu de lui. Donc, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ou en tout cas, vous allez essayer de faire ça en français? Oui? I don't know if I can speak French.
Je m'appelle Normand Beaupré. Je suis francophone, franco-américain de la Nouvelle-Angleterre. Ma langue maternelle, c'est le français. Je suis de la troisième génération de Québécois. Mes grands-parents venaient du Québec. J'ai enseigné le français à l'université pendant 30 ans. Et j'ai commencé à écrire il y a 14 ans après ma retraite. Alors, j'écris en anglais, j'écris en français standard, universel, je ne sais pas moi, et en dialecte. Et j'ai écrit la Sionne parce que je voulais le faire et parce qu'Antonine Maillet m'avait dit « Normand, j'ai pris une chance d'écrire la Sagouine. » Je ne savais pas si les gens la recevraient comme telle. Surtout pour moi, puisque j'étais professeur à l'université, je croyais que peut-être des gens comme vous me diraient « Mais parlez correctement, parlez bien, vous l'avez mal appris. » Non, c'est ma langue et je l'écris et ça vient du cœur et de l'âme. Et Marie est là, l'interprète, à mon avis, parfaite. Je n'en trouve pas d'autre. C'est comme Viola Légère pour la Sagouine, je crois. Et eh bien, me voilà au Québec. Comme j'ai dit à Denis un certain temps, on a joué la Sionne en Nouvelle-Angleterre, au Nouveau-Brunswick et même en France, mais jamais au Québec. Pourquoi? Il me dit, un jour, Normand, tu viendras. J'ai dit, oui, tu vas me donner des promesses, puis peut-être des promesses d'ivrogne. Mais ça a pris 3 ans et nous voilà au Québec. Et je dois vous dire que mes ancêtres étaient Québécois et que moi, je suis Québécois dans l'âme et le cœur. Mmh. Bravo. Donc, 8 spectacles qui ont été faits à Bromont, à Coaticook, Victoriaville, Richmond, puis la Beauce, Saint-Georges-de-Beauce. Et on s'attendait, parce que quand on a commencé les spectacles, il y avait la première semaine à Bromont, il y avait 30 cm de neige. Donc, ça partait un petit peu difficile. J'étais un petit peu déçu parce que j'avais lu La Sionne. Et ça m'avait touché beaucoup, puis je voulais partager avec tous ces gens ce personnage-là, dans cette région-là particulièrement. Mais finalement, partout, les gens ont répondu de façon assez extraordinaire. Il y avait quand même, à Bromont, une 50aine de personnes qui se sont présentées, braver la neige, même des gens de Montréal qui s'étaient rendus pour... Et partout, c'était comme ça. Victoriaville, il y avait 244 personnes qui sont présentées. C'était extraordinaire et tout le monde était un petit peu touché. Donc, je vais arrêter de parler puis je vais vous demander peut-être de prendre la parole. Et si vous avez des questions, partage. Oui, il y a un micro. Je pense qu'il y a un micro, voilà. Donc, vous avez juste à lever la main et puis... oui? Non? Sont gênés. Toujours la première fois, c'est le premier qui va briser la glace. Vous avez la face rouge parce que vous êtes gêné. Est-ce que, comme médium, est-ce que vous êtes de la Nouvelle-Angleterre ou est-ce que je suis native de Nouveau-Brunswick, je suis acadienne. Mais qui vit présentement dans le Maine depuis quand même quelques années. Quelques années. Monsieur Beaupré, est-ce que vous êtes le seul à avoir gardé votre le langage, la langue française, non, de votre famille? Non, je ne suis pas le seul. Il existe encore des franco-américains qui sont francophones. Moi, c'est ma langue maternelle, alors je l'ai conservée, je l'ai enseignée et je l'écris. Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent en français chez nous. Ce n'est pas facile d'écrire en français. Il faut avoir le vocabulaire et connaître sa grammaire. Il faut se trouver un éditeur. Je suis allé en France, en Belgique, chez le MEAC à Montréal. On m'a tous refusé. Il y a une certaine discrimination, je crois. Et grâce à M. Desgagnés, maintenant, il me dit, je vais t'en trouver des éditeurs. Tu vas avoir les livres chez nous. Tu peux même en acheter là-bas. Là. Parce que je n'ai pas de contact. C'était très, très difficile. Mais c'est mon héritage et je veux le léguer à la relève. Parce que je ne veux pas perdre le français et c'est très important de le garder. C'est pour ça même, lorsque je vais en France, puis les gens disent le challenge, je dis non, c'est le défi, parler français.
Bravo, bravo. Absolument. Monsieur? Oui, Monsieur Beaupré, nos ancêtres sont partis vers les États-Unis parce qu'ils crevaient la misère chez nous, sur les fermes. Est-ce que, puis vous êtes devenu un peu un historien, pas juste un écrivain, est-ce que, d'après vous, ces gens-là, quand ils sont installés aux États-Unis, puis aujourd'hui, quand vous regardez ça vers le passé, est-ce qu'ils ont eu un meilleur sort? Je dois vous dire que mes grands-parents ont eu une meilleure vie parce qu'ils crevaient là-bas, c'est ça qu'on disait. Du côté de ma grand-mère maternelle, ils venaient de Roxton Falls, ils se sont établis au New Hampshire. Puis du côté de mon grand-père paternel, il venait de Belleuil avec sa famille. Il a commencé à travailler à l'âge de 9 ans dans les filatures. Mais au moins, il me disait, on ne crevait pas. Ça, c'est important d'avoir assez de l'argent pour vivre. Puis à la longue, ils se sont tous établis. Parce qu'une dame m'a dit, je voulais retourner au Québec, puis je voulais être enterré là-bas. Après un certain temps, j'ai eu une famille, puis ma famille est ici, alors on reste. Vous savez qu'il y en a quelques Québécois, Montréalais, je crois, qui disaient, laissez partir la Canaille. Quelques-uns sont partis. Et c'est pour ça que j'existe aujourd'hui, parce que mes grands-parents sont là, pas que mes parents sont américains, et moi, je suis de la troisième génération. Ma fille parle français, parce que ma femme lui parlait français jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, une manière de... Comme la Sionne dit, on va perdre notre français si on le veut. Alors, oui, monsieur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'avenir du français du côté des États de la Nouvelle-Angleterre. Parce que on sait, vous l'avez spécifié aussi, on sait que la langue, c'est souvent une, je ne dirais pas une sous-langue par rapport à l'anglais, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'avenir. Et la culture, quelle est la culture francophone? Vous avez évoqué tout à l'heure que vous aviez présenté votre pièce du côté de les États des États du Nord des États-Unis, les États francophones en petite partie, si on veut. Alors, quel est selon vous l'avenir des jeunes? Est-ce que les jeunes croient qu'ils peuvent sauver cette langue comme leurs parents ou leurs grands-parents ont fait? Je ne sais pas et j'en doute parce que nous sommes rendus à la 5e, 6e génération. Malheureusement, le français chez nous est enseigné comme langue étrangère. Alors, lorsqu'on n'entend pas parler de français dans nos écoles, à la maison, un peu partout, c'est très, très, très difficile de faire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'avenir, mais je suis certain que Marie Cormier et Denis pourront en parler de ce réveil. Oui, chez nous. Oui. Oh, vous m'entendez? Oui. C'est vrai qu'il a tout un réveil, cette fierté francophone qui est née depuis quelques années. C'est très, très beau. Je vais vous donner un exemple. À Waterville, Maine, où je demeure, il y a un groupe qui s'appelle les Bavards. Ils se rencontrent les samedis matins pour que les gens qui avaient oublié leur français peuvent le regagner et ceux qui le parlent peuvent le pratiquer. Parce qu'il y a bien des gens qui parlaient le français quand ils étaient tout petits, mais qui s'étaient fait taire, qui s'étaient tellement assimilés qu'ils avaient changé leur nom à l'anglais, les rois étaient devenus des kings, etc., etc. Et voilà qu'ils ont la liberté de parler d'être franco. Et puis c'est une fierté, c'est comme un mouvement, c'est de toute beauté. Et puis j'aime toujours de dire qu'ils ont fini de se faire traiter de dumb Frenchmen. Ce sont des citoyens, c'est tout, comme nous tous. Mm-hmm. Excellent. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, si je rentre là-dedans, j'en ai pour le restant de la fin de semaine, donc je vais vous... Madame? Non, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je voulais revenir sur la pièce. J'ai trouvé que c'était pas juste quelque chose qui se passait en Nouvelle-Angleterre, que c'était universel, que cette femme-là aurait pu vivre n'importe où, même au Québec, que c'est pour ça qu'elle était touchante. Ah bon.
Elle merci, était quand madame. Même dépaysée. Elle était dépaysée. Elle était quand même dépaysée. Dites-moi, depuis que l'Association canado-américaine n'existe plus, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui se développent en Nouvelle-Angleterre pour continuer un peu à sauvegarder la langue et la culture? Pas beaucoup, j'en connais pas. J'appartenais à l'Association canado-américaine, à l'Alliance française, mais le Club Richelieu, nous ne sommes que 5 membres maintenant. On persiste, on veut le faire, mais c'est très, très, très difficile. Moi, j'insiste parce que c'est ma langue, ma culture, mon héritage. C'est pour ça que j'écris et c'est pour ça que je le parle. Mais avec le temps, moi aussi, je vais disparaître. Qu'est-ce qui va arriver? Mais je suis optimiste. Je crois qu'avec un organisme comme le Centre de la francophonie des Amériques, on va voir peut-être une renaissance. Vous avez ajouté là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres organisations? Parce qu'il faut dire que dans le Maine, il y a le concept des petits Canada et on se sent des fois un petit peu isolé. Même que nous, on a resté surpris. On a fait une démarche avec le Maine, que je vais vous présenter rapidement tantôt, mais avec le carnet de la francophonie des Amériques, on essaie de répertorier les services en français. Et on a embauché 2 personnes qui ont commencé à travailler au niveau d'éducation, au niveau culturel. Et on a fait une présentation et tout le monde qui était là, les franco-américains, la mâchoire a tombé sur la table, puis ils ne savaient pas qu'il y avait tous ces services-là. Donc, je sais qu'il y a la troupe de théâtre, entre autres. Ah oui. Je fais partie d'une troupe de théâtre que nous avons fondée avec Grégoire Chabot, qui s'appelle « Du monde d'à côté ». Vous savez, nous sommes du monde d'à côté. Et nous étions en France en train d'interpréter les pièces de Grégoire Chabot et de Paul Paré à l'occasion qui s'appelait l'été indien. Puis M. Beaupré était là, qui lançait son livre « Le petit mangeur de fleurs ». Puis il m'a vu sur la scène, il a aimé mon jeu, il m'a approché, il a dit « Dans mon livre, Le petit mangeur de fleurs, il y a un personnage qui s'appelle la Souillonne. Il dit « Je voudrais la développer en monologue. Est-ce que vous le feriez pour moi? » Mais j'ai dit « Faites-le et on verra. » Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, il m'a contacté et dit « Voilà, la Souillonne est née. » Et c'est de là qu'on est retourné en France le faire et on l'a fait au Nouveau-Brunswick et beaucoup en Nouvelle-Angleterre. Et c'est comme ça. Yes. Donc, il y a des organisations. Il y a 2 personnes en arrière. Il y en a une ici en avant. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier de défendre le français comme vous le faites. Ça fait plaisir. Ça change un peu de ce qu'on voit en France. Et à ce propos, justement, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'évolution française à l'heure actuelle? L'évolution française dans? Actuellement dans le monde et en France surtout. La langue ou la culture? Dans la langue et dans tout le reste. Mais ça fait partie de ton... Je suis francophone, francophile et franco-américain, mais je ne sais pas tout ce mouvement qui existe à travers le monde francophone. Alors, je ne connais vraiment pas trop l'évolution, s'il y en a une. Mais à mon avis, ça va continuer, ça va exister. Et Denis va vous en parler d'ailleurs parce qu'il y a toutes sortes de chiffres à travers le monde, pas seulement au Québec et en Nouvelle-Angleterre. Mais je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais je fais mon possible. Oui. Oui, c'est pour féliciter l'organisation pour cette merveilleuse prestance, performance que nous avons eue. Je ne sais pas si c'est le bon terme français. Mais en tout cas, le commentaire ou la question se pose peut-être plus à M. Degagné. Bon, on parle un peu de la difficulté des fois que le français se pose en avant, là, comme l'exemple de M. tantôt qui est allé dire au français qu'il faut plutôt dire défi que challenge. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, aujourd'hui, demain, il va y avoir ici le Red Bull Crash. Ah oui, oui. Alors, il y a des journalistes, il y a déjà quelques années, qui ont proposé la grande déboulane, qui était une expression originale francophone pour cette activité-là. Alors, je veux savoir, est-ce que dans les objectifs de la promotion du français que le Centre de la francophonie a, comme dans ses écrits, est-ce qu'il y a
des efforts comme ça qui vont être faits là, pour favoriser justement un thème original québécois pour une manifestation là, qui était pensée par des anglophones, là, mais quand même, on peut s'approprier quelque chose puis lui donner un nom français. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne question. Vraiment, il y a des organisations qui ont comme mandat de faire ce genre de travail-là. Nous, on le fait peut-être indirectement. C'est drôle, hein? J'ai célébré depuis une trentaine d'années la Journée internationale du français. J'ai été surpris dans les dernières années là, de voir comment est-ce que, quand on parle de francophonie à l'extérieur du Québec, on parle souvent de francophonie comme de citoyenneté, de francophonie comme de culture, d'économie. Il y a certaines valeurs de francophonie qu'on parle beaucoup dans les radios, dans ce qu'on fait, dans les manifestations. Et quand je suis retourné au Québec, quand on parle de francophonie, on parle surtout de langue, francophonie, langue, et c'est absolument très bien. Sauf que j'ai l'impression, même j'ai fait une entrevue, je pense, cette semaine à Radio-Canada, j'étais surpris d'entendre les gens à téléphoner dans une tribune et de dire « À Montréal, il y a un problème de service en français, da-da-da-da-da », et puis de dire aussi « Bon, maintenant, je suis à Québec, les services en français, ça va. C'est pas nécessairement du bon français, mais ça va. » Et j'écoutais ça et j'ai vécu 27 ans à l'extérieur du Québec. Et ce qu'on fait, puisqu'on fait aussi au Centre de la francophonie, c'est de valoriser, d'essayer d'amener une critique constructive autour du parler français, de la parlure ou du parlement français. Et donc, d'amener de pouvoir être en contact avec des gens aussi merveilleux que nos invités aujourd'hui, fait en sorte qu'on pose des très bonnes questions comme vous posez aujourd'hui et qu'il y a une conscience qui s'éveille. La francophonie, c'est aussi cette conscience-là. Mm-hmm. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on le fait en mettant les gens en contact ensemble, en échangeant. Mais c'est des très bonnes recommandations à faire. Merci beaucoup. Il y avait M. Dean Lander ici qui avait demandé la parole. Merci, merci. Je vous admire beaucoup tous les deux. Merci. Je vous connais depuis longtemps et vous êtes comme du bon vin, vous vous améliorez avec le temps, franchement. J'admirais autrefois, puis je pense l'admirer encore, Robert Perrault, qui a quand même publié un roman en français lorsqu'il avait à peine 25-28 ans, L'Héritage. Oui. Depuis, il n'a pas publié à ma connaissance. Non. Et j'aimerais savoir pourquoi, si vous avez une petite idée là-dessus. Et aussi, la troupe, on la voit de moins en moins aussi maintenant, la troupe Le Monde à côté. Mais il faut dire aussi qu'il y a une vie littéraire franco-américaine de langue anglaise. Je pense à Stephen Riel, je pense à Rhea Cotter-Robbins et plusieurs autres. Hein. Alors, ce n'est pas négligeable quand même. Hein? Qui n'écrivent pas en français. Non, c'est ça. C'est une vie littéraire de langue anglaise, une vie littéraire franco-américaine, mais de langue anglaise, mais qui est quand même foisonnant. Il y en a beaucoup qui publient. D'accord. Alors, quoi penser de tout ça? Oui. Robert Perrault est un ami intime. Il envoie des courriels de temps en temps et me félicite de mes romans, surtout ceux dans le dialecte, puisqu'il me dit, et je suis d'accord avec lui, c'est une langue orale. Et ce m'est vraiment très difficile pour trouver la graphie pour l'écrire, ce dialecte. Alors il dit, normalement, il n'y en a pas d'autres qui le font. Je dis, merci. Pourquoi ne te conduis pas à écrire? Il enseigne au Collège Saint-Anselme. Puis, je pense qu'il ne prend pas le temps de le faire. Et je l'accuse de ne pas avoir la passion d'écrire en français. Mais il m'écrit quand même. Quand que Rhea Robbins, je la connais très bien, elle parle un peu le français, mais elle s'exprime très bien en anglais. C'est une des nôtres, hein, une franco-américaine comme d'autres le font. Alors, c'est une littérature que j'admire, que j'aime bien. Peut-être le temps passe. Je vais quand même vous poser quelques petites questions. D'abord, à vous, la Souillonne, est-ce qu'elle existe vraiment? La Souillonne existe, elle est réelle, mais pas factuelle. C'est pas seulement une femme que j'ai connue.
C'est un amalgame de toutes les femmes que j'ai connues en grandissant. Alors, c'est dans ma mémoire et ça m'a pris à peu près seulement un mois à l'écrire, la Souillonne. Parce que ça coulait, j'avais le vocabulaire et pour moi, c'est facile de me laisser aller écrire en ce dialecte. Et parce que Anthony de Maillet m'avait donné comme la permission de le faire, alors j'ai commencé à le faire, je continue. Et ma dernière œuvre, c'est un autre roman qui s'intitule « Marie Quatre Poches et Sarah Fauchet », qui est vraiment un entretien entre deux femmes. Et c'est mon manifeste de ma langue, mon héritage et ma culture. Il doit paraître sous peu. Je suis certain qu'il viendra ici au Centre de la francophonie peut-être dans quelques mois, je ne sais pas exactement. Voilà, une autre question pour vous. Il y a un moment donné dans la pièce de théâtre, un petit garçon qui vient cogner à la porte et qui vous appelle par votre prénom. Puis ça me fait chaud au cœur. Oui, hein? C'est qui ce petit bonhomme-là? J'oserais dire que ça serait monsieur. Son nom, c'est François, comme dans Maria Chapdelaine. Et pour vraiment connaître la Souillonne, il faut lire Le petit mangeur de fleurs, qui était le petit mangeur de cœur saignant. Mais l'éditeur à Chicoutimi m'a dit, « Ah, M. Beaupré, on ne connaît pas les cœurs saignants, alors on pense de couteaux, de sang et tout cela. » Et j'avais peur qu'il ne publie pas mon roman. Alors j'ai dit, « Oui, vous pouvez changer le titre. » Mais Anthony Maillet m'a dit, « Normand, tu ne devrais jamais faire cela. » Alors pour la deuxième édition, on change le titre, « Le petit mangeur de cœurs saignants. » Et dans là, vous rencontrez la Souillonne. Et la Souillonne, c'est une extension de le petit cœur. Donc, l'auteur qui profite à un moment donné d'une petite pause pour rentrer dans le livre et puis de donner des fleurs à la Souillonne et de sortir et de continuer son... Mais bravo, bravo. Un auteur a le droit de faire n'importe quoi. C'est bon. C'est merveilleux. De créer. Peut-être juste avant de terminer, je voulais vous dire un beau commentaire qui a été dit dans une des assemblées. Je ne me souviens plus c'était où, mais les gens ont dit, « Monsieur Beaupré, vous êtes le Michel Tremblay. Okay. » Franco-américain. Yes. Donc, pensez-vous pas que c'est... Oui. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de travailler avec vous. Merci. Marie, même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous laisser Denis, vous reposer. Denis, avant que tu fasses ta présentation, j'ai une petite présentation en témoignage du bel épanouissement du Centre de la francophonie des Amériques et en témoignage de ta verve, ta passion pour ce centre, je veux te présenter le dessin original de la Souillonne. Je l'avais, mais maintenant il appartient au Québec, il appartient au Centre de la francophonie. Merci. Un ami tout à l'heure. Donc, je voulais quand même pas vous laisser partir avant de vous parler du Centre de la francophonie, mais surtout de la francophonie des Amériques, un petit 5 minutes avant de vous inviter au verre de l'amitié. Donc, d'abord, peut-être juste quelques questions. Il y en a, je reconnais des experts ici là, de la francophonie. Là, retenez-vous un petit peu, laissez la chance aux autres. J'ai des questions pour vous. Donc, dans la francophonie des Amériques, il y a de la francophonie, c'est sûr. Au Canada, si mon collègue... Au Canada, vous savez environ comment est-ce qu'il y a de locuteurs de français? Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Oui? Au Canada? Ah, c'est au Canada, merci pour... C'est 9,7 millions. Mais c'est pas assez date, c'est environ en 2000, là, les statistiques. Vous êtes, peut-être que vous avez raison. OK, mais je vais vous poser la question. Aux États-Unis... 11 millions, merci. C'est là qu'il fallait le dire. 11 millions, voilà.
statistique 2000. Et ensuite de ça, il y a dans les Caraïbes. Ouais, vous avez bien lu, hein? L'équipe a mis ça dans le programme, puis il y en a qui ont lu le programme. C'est merveilleux. Donc, essentiellement, si on continue, là, il y a 33 millions de locuteurs de français dans les Amériques. Ça fait quand même, c'est des gros numéros, mais c'est seulement 4 % de la population. Donc, notre travail, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de locuteurs, de plus en plus aussi de francophiles. Et je ne rentrerai pas dans ma définition complexe de francophone-francophile, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ça, pas nécessairement au niveau des locuteurs, mais en Amérique du Nord, les origines de francophones, donc si on y va, voilà, ça vous donne une très bonne idée. La Nouvelle-Angleterre, en origine, M. Beaupré aurait pu vous dire qu'il y a environ un tiers, peut-être qu'ils ne parlent plus le français, mais il y a un tiers des habitants du Maine qui sont d'origine francophone. Et il y a vraiment un désir aujourd'hui de reprendre la langue. On n'est plus là dans un temps où on était des voleurs de jobs et des situations où c'était difficile d'être francophone aux États-Unis. C'est même valorisé. À New York, à Washington, en Californie, il manque de professeurs de français. Ils ne sont plus capables de répondre à la demande. Et même chose en Floride. Donc, vous voyez la Floride. Ensuite de ça, il y a la Louisiane. Quand même intéressant, le réveil en Louisiane. On parlait du réveil, du grand réveil en Nouvelle-Angleterre, mais il y a un réveil aussi en Louisiane. L'année passée, grâce au lien entre ces francophonies, le sénateur Lafleur a rencontré le premier ministre du Manitoba, qui est aussi responsable de la francophonie, Greg Salinger, et ils ont échangé des choses. Greg a dit, voici, ça, c'est notre politique de service en français au Manitoba. Tu l'apprends, tu l'amènes chez vous, tu fais ça toi. Et le sénateur Lafleur l'a ramené en Louisiane. Il en a fait une loi. Ils l'ont passée totalement en français. Tout a été présenté en français. C'est sur YouTube. C'était des moments là, absolument extraordinaires. Et la politique a été adoptée. La loi a été adoptée en Louisiane. Il y a une loi pour les services en français. Et l'année passée, ce n'est plus des Lafleur ou des Simard ou des Tremblay ou des Gagnon. C'est maintenant des Ortego, des Miguez, etc., qui, eux, ont repris une loi. Ils ont pris une loi sur l'accès à l'éducation en français. Et Steven Ortego a un représentant qui s'est créé un caucus là, francophone de la Louisiane. Et cette loi-là a passé aussi cette année. Et depuis cette année, s'il y a 25 familles qui veulent avoir l'éducation en français, l'État a l'obligation de mettre une école à leur service. Donc, c'est juste pour dire, est-ce qu'il y a un mouvement qui se passe? Absolument. Et la Californie, la même chose. Donc, et ça vous donne, encore une fois, c'est des statistiques 2000-2001, et on essaie d'avoir quelque chose de plus dynamique. Donc, le Centre de la francophonie donne accès, on se sert des nouvelles technologies pour briser l'isolement des franco-américains, des francasquois, des acadiens, des franco-ontariens, des franco-yukonais, je pourrais continuer, les franco-ticos, hein, qui sont au Costa Rica. La seule État où le français est encore obligatoire dans l'Amérique latine. Donc, et on s'est dit, mais comment on peut se retrouver là-dedans? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette francophonie, souvent invisible, peut devenir de plus en plus visible? Donc, on s'est mis des petites applications hein, avec le petit téléphone. J'arrive en quelque part, je suis à Sao Paulo, j'applique sur mon application et avec la géolocalisation, ça me retrouve exactement où je suis. Et les services en français apparaissent autour de moi. Donc, si Wesley nous montre un petit peu, voilà. Ça, c'est présentement, on vient de lancer l'application. On a environ 10 000 entrées là, de données, de services en français, que ce soit public, privé ou communautaire. On peut retrouver des services un peu partout. On a des ententes présentement avec le Brésil, qui, eux, veulent avoir cette application-là avant le Mondial de football. Donc, ils sont en train de faire une offensive pour faire en sorte que le maximum de services en français soient entrés dans l'application. Et voilà, un petit peu partout, on travaille avec la Floride. Présentement, la semaine prochaine, je serai à Washington pour faire le lancement du carnet. Donc, on se sert de cette nouvelle technologie pour vraiment donner accès.
Si je continue, juste pour vous dire, dans le dépliant que vous avez reçu à l'entrée dans le programme, vous allez voir tous les services que le centre offre, toujours en collaboration ou en partenariat avec des organisations déjà existantes. On est là pour contribuer, on n'est pas là pour remplacer ce qui existe déjà sur place. Donc, ça, c'est les programmes là, du Centre de la francophonie des Amériques. Je vous invite à regarder dans votre programme. Il y a une définition pour chacun des services. Et peut-être pour terminer, s'il y a d'autres éléments, Wesley? Non, voilà. Je ne voulais pas oublier que vous avez rempli un petit... Il y en a qui ont mis leur nom pour le tirage. Là, je voulais vous dire, on ne voulait pas que... Quand vous avez rempli votre nom, vous avez aussi donné vos coordonnées. Vous êtes maintenant, vous faites partie de ceux qui croient à cette francophonie des Amériques-là. Donc, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Et on va faire en sorte que... On ne regardera pas dans la boule de cristal si la francophonie des Amériques va être là demain. On va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on sera les architectes de cette francophonie-là de demain et on passera au prochain. Donc, pour faire le tirage, est-ce que des gens de mon équipe, oui. Donc, je demanderais peut-être à... Oui, donc on est en train de passer. Est-ce qu'il y avait des questions en attendant qu'on termine? Oui, s'il vous plaît. On va rentrer vos données dans le système et vous allez choisir l'information que vous voulez. C'est beau d'être membre du centre, mais il faut que ça soit utile aussi pour vous. Qu'est-ce que vous voulez, pouvez contribuer, qu'est-ce que vous êtes intéressé à savoir ou aussi à faire savoir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. On a mis en place le portail du centre au début avril, il va y avoir un nouveau portail et les gens vont choisir à la carte ce qu'ils veulent recevoir et ce qu'ils veulent partager. Donc, on va essayer d'être le plus utile pour vous dans votre contribution au rayonnement de la francophonie des Amériques. Merci pour la question. Oui, madame. Merci pour la question. On n'a pas de place à l'OIF. On travaille en collaboration avec l'OIF. On travaille régulièrement avec eux autres sur plusieurs de nos projets. Donc, on est comme ça, mais on n'est pas une organisation de l'OIF. Le Centre de la francophonie est une création du gouvernement du Québec lors du 400e anniversaire de Québec. Donc, c'est une loi qui a créé le Centre. Et nous avons le mandat de faire rayonner la francophonie dans les Amériques. Et c'est intéressant qu'on ne soit pas un opérateur de l'OIF parce qu'il y a plusieurs États dans les Amériques. Ils ne sont pas des États reconnus membres de l'OIF, ce qui nous permet de travailler et offrir des services à des jeunes qui veulent, par exemple, le Parlement jeunesse de la francophonie des Amériques. Plusieurs parlements existent. Eux ne peuvent jamais participer. Dans le cas des Amériques, ces jeunes-là peuvent participer, ce qui fait qu'on peut travailler en synergie avec ces organisations-là. Merci. Ça va? Donc, est-ce qu'on va faire le tirage? Oui, excellent. Donc, le tirage. La semaine prochaine, vous avez reçu une invitation... pour le 11 avril, on lance un autre outil, je pense, absolument pertinent pour la francophonie des Amériques. Autant pour quelqu'un comme M. Beaupré, qui veut faire connaître ses livres au Québec et dans la francophonie des Amériques, autant pour les éditeurs du Québec qui veulent faire connaître leurs livres, leurs ressources pédagogiques, etc., dans les Amériques, on va lancer la bibliothèque numérique. Donc, les gens qui sont membres du centre, comme vous, vous allez avoir accès gratuitement à des livres qui viennent de partout dans les Amériques, particulièrement du Québec, du Canada, et on travaille avec des maisons d'édition, que ce soit dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Amérique du Sud, pour travailler avec les éditeurs. Plusieurs n'ont pas numérisé le livre. On travaille aussi pour numériser des livres et les rendre accessibles dans la bibliothèque. Et comme on est dans notre lancement, on fait tirer une liseuse électronique
pour la bibliothèque avec le logo de la bibliothèque numérique. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait tirer aujourd'hui. Et vous êtes invités à venir voir le lancement de cette bibliothèque-là le 11 avril. Dany Laferrière va être avec nous, c'est notre parrain de la bibliothèque et on va pouvoir en parler un petit peu plus. Donc, je demanderais peut-être à Dean, est-ce que tu accepterais de piger un, s'il vous plaît? Ah, et on a aussi. Jacqueline Noël. C'est bien ça? Non, mais ça, je vais l'avoir, par exemple. Sinon, vous ne serez pas membre. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup. Félicitations. Et il y a un... Oui? Non. Ah, c'est ça? Tu veux... Ça va. Ouais, OK. Donc, on a un deuxième prix à faire tirer. Et ça, ici, c'est un catalogue d'une exposition. Toutes les expositions. Donc, s'il vous plaît. Voilà. C'est Madame Robin, Céline Robin. Ah, voilà. Voilà. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Ce qui conclut le programme de la soirée. Je vous invite au verre de l'amitié de discuter avec nos auteurs. N'oubliez pas d'aller voir les livres et si vous avez le goût d'en acheter, encouragez. Merci. Bonne soirée.